Alors ça va être un peu différent de ce qui s'est passé sur le concours de pêche. Ce qui va se passer, c'est que, eh bien, il va y avoir plusieurs manches. Il va y avoir une manche solo, où vous allez tous partir en même temps, et en fonction du nombre d'insectes capturés, ça mettra à jour vos points. Il y aura ensuite une deuxième manche de cette manière-là, et ensuite, il y aura trois manches en équipe pour déterminer qui seront les personnes, eh bien, qui feront ça, bon, enfin qui gagneront. Vous verrez ensuite pour les manches en équipe. Et puis on terminera ensuite avec les deux gagnants sur une manche finale. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que là, vous allez partir pour 3 minutes de capture aux insectes et vous allez devoir en capturer le plus possible. Il va falloir que vous partiez à des endroits de la map différents. Vous allez être toutes les 4 en même temps. Ça va être très très rapide. Donc eh ben écoutez, c'est parti. Vous allez partir pour 3 minutes de chasse aux insectes. Et la personne eh bien, qui capture le plus d'insectes, le nombre d'insectes capturés sera rajouté à votre score. C'est parti, vous avez 3 minutes à partir de maintenant. Let's go! Bien entendu, c'est des insectes qu'il faut que vous capturiez. Attention, regardez, ça s'en va. Yes! Très bien. Donc on a... Alors je ne sais plus qui c'est ça. C'est qui? C'est Caligine ça? Non, c'est peut-être pas Caligine. Je ne sais pas qui est-ce qu'on est en train de suivre. Mais j'ai décidé de vous suivre vous. Attention, ça tente. Le deuxième, on est déjà sur deux insectes du côté de Lucille. C'est Lucille là qu'on est en train de suivre. Deux insectes du côté de Lucille. Alors, on ne pourra bien entendu pas suivre tout le monde. Oh là là, trois insectes du côté de Lucille. Ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. On essaie de suivre un peu de loin pour éviter d'avoir des soucis et de lui faire partir des insectes. Ça cherche des insectes par ici. Ça part à un autre endroit de la map. Attention, Lucille qui est juste là, qui cherche des papillons, qui n'en trouve plus. Ah, elle a vu un insecte en effet sur l'eau. Ça peut être une bonne idée de prendre celui-ci. Malheureusement, il a changé de côté. Attention, oulala, il lui est volé. Non, ça va se battre pour cet insecte. Attention, qui va réussir à avoir cet insecte? Aïe, elle me pousse, elle a vu un papillon. Du coup, elle m'a poussé. Incroyable. Est-ce qu'on a réussi à le capturer ici? J'ai l'impression qu'on a réussi. Incroyable. Attention, est-ce que ça trouve d'autres insectes par ici? Les filles, qu'est-ce qu'on en pense? Lucille, où êtes-vous passée? Je ne sais pas. Je vais aller regarder s'il y a d'autres filles qui sont dans les hauteurs, peut-être. Qui sont à d'autres endroits. Oui, regardez. Regardez. Alors, on va essayer de la suivre. Est-ce qu'il y a des insectes qui ont rip-hop? Attention. Pas mal de monde. Lucille, attends, viens, on va continuer à suivre Lucille qui a l'air de rebrousser chemin. Et on croise du coup une autre fille, mais je ne sais plus qui c'est, parce que je ne connais pas leur nom et parce que je suis juste un mec incroyablement mauvais. Oh, ça se bat. Et c'est Lucille encore une fois qui a réussi à avoir ce papillon. C'est incroyable. Lucille hein, qui a l'air d'avoir tous les papillons. Oui, encore. Oh là là, encore un papillon pour Lucille. Mais à combien elle est? Elle est à 7. Il y en a un là. Elle ne l'a pas vu. Elle ne l'a pas vu. Il y avait un papillon par ici. Elle a pas l'air de l'avoir vu. Il y a un papillon juste ici. À l'entrée. Alors attention. Où est-elle? Alors là, c'est plus du tout Lucille. Hein. Là, c'est quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui c'est. En tout cas, ça attrape des insectes. Allez, tu peux peut-être trouver un insecte. Il te reste 10 secondes pour trouver un insecte. Je ne sais pas qui on suit là actuellement. Allez, tu peux trouver un insecte. Il te reste 4 secondes. 3, 2, 1. Ah, dur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne au niveau des insectes? Oh là 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 là. Un insecte pour Lou. 7 pour Lucille. Oh là là là. Attends, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. Lucille, mais qui a carry la game. Lou, qui nous dit, j'ai rien trouvé. Désolé, Lou, hein, c'est des choses qui arrivent. Deuxième manche du concours, c'est exactement la même chose. C'est juste que bah, vous avez encore 3 minutes. Et peut-être que ça va changer les choses. Allez, c'est parti. Deuxième manche. Et... c'est parti. Let's go. On y va. Allez, on va suivre
Oh là là, bah ça commence. Lou qui a cette fois-ci un premier. Oh là 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 là, ça n'arrive pas, il y a plein de... Oh là là, Lou qui en a deux. Et Caligine qui arrive à avoir son premier papillon, c'est parfait. Allez, on suit du coup Lou et Caligine qui du coup ont décidé d'aller au même endroit. Non, ils se séparent. Allez, on va suivre Caligine. Caligine qui descend par ici. Moi, si j'ai un petit conseil à leur donner, je pense que le meilleur endroit où il faut aller, c'est peut-être les hauteurs. Après, c'est vrai qu'elles sont un peu loin et que ça peut faire un peu peur. En tout cas, là, on est en train de suivre Shin, qui est en train de chercher un petit papillon, un insecte, ce serait pas mal. Mais visiblement, Shin n'a pas l'air de trouver grand-chose. Allez, Shin. On cherche. On cherche, on cherche. On a Caligine. Allez, on va suivre Caligine. Et on a Lou qui vient de revenir des hauteurs, j'ai l'impression. Allez, un petit insecte. Est-ce qu'on en a là-haut? Alors moi, j'aurais pas parié sur ces hauteurs-là. J'aurais plus allé côté cimetière. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Ah, ah, ah. D'accord, ça décide de passer par ici. Est-ce qu'il y a des petits papillons par ici? Non. Alors, c'est peut-être une mauvaise idée, hein, attention, hein, que j'ai donnée. Hein. C'est peut-être une très mauvaise idée. En effet, pas de papillons par ici. Pas de papillons par là. Oh là là là, c'est dur. C'est dur, parce qu'il y a peu... Ah! Ah! On a entendu une sauterelle. Oui, Lou qui récupère une sauterelle. Incroyable. Incroyable, bien joué, Lou. Bien joué à toi. Pensez bien aussi à aller checker s'il n'y a pas des ligies. Hein, je vous rappelle qu'il peut y avoir des ligies, il me semble, sur les bords. Ça peut être super intéressant aussi. Hein. Les ligies peuvent être sur la plage. Hein, si je dis pas de bêtises. Hein. À moins qu'elles spawnent que le soir. Je sais pas. Mais je crois qu'elles sont là en journée aussi, hein, les ligies. Les ligies, ça peut être pas mal. Allez. On suit Lucille. Est-ce que Lucille a réussi à trouver des insectes ou pas? Ça, c'est la grande question. La journée aussi, ok, les ligies peuvent être là toute la journée. C'est top ça. Allez, on va la suivre par ici. Hop, je vais prendre la petite bouteille, tiens, parce que ça, elle est pas mal. Tu vois, là, par exemple, typiquement, est-ce qu'on a des ligies par là? Non, on n'a pas de ligies. On aurait pu. On aurait pu. Il reste 20 secondes. Il reste 20 secondes, les filles. C'est le moment de capturer vos derniers insectes. Allez, Caligine, est-ce que tu peux trouver un dernier insecte ou pas? Il reste 6 secondes, 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2, 1. Pas de dernier insecte. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des scores? On a... Ouh... On a Lucille qui a réussi à avoir 2 insectes, qui amène son score à 9. Caligine, 1 insecte. Du coup, son score arrive à 3. Lou, 4 insectes, ce qui amène son score à 5. Et Shin, 2 insectes, ce qui amène également son score à 5. Maintenant, les filles, on va faire des équipes. Maintenant, on va faire des équipes. Premier duo. Premier duo, ce sera Lucille et Kali. Lucille et Kali. Vous allez compétiter en même temps, Lucille et Caligine. Et votre score sera ajouté au total des deux. Donc, il faut que vous arriviez à vous répartir, à aller à des endroits différents. Et là, tous les insectes capturés sont ajoutés à tout le monde. Let's go. Vous avez 3 minutes pour capturer les insectes. C'est parti. C'est parti. Je vais suivre Lucille. Hein. Lucille qui est un peu notre MVP. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'aller au même endroit? C'est pas forcément une bonne idée, hein. Je vous rappelle que vous êtes en équipe, c'est bon. Là, elles ont décidé de se séparer la tâche. Allez, on suit Lucille, hein, qui est actuellement à la recherche d'insectes. C'est pas facile. Il y en a pas forcément beaucoup. Il faut réussir à trouver l'endroit où ils spawnent. Mais c'est vrai que là, c'est un peu faible en insectes. Allez, Lucille, tu peux peut-être réussir à en trouver, peut-être dans l'eau. Peut-être aux alentours des fleurs. C'est vrai que là, pour le moment, ça a l'air assez... assez tristouné à niveau insecte. Hein. J'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup. Hein. À
Allez, Lucille. Allez, Lucille. Tu peux peut-être trouver quelques petits insectes. Je ne sais pas du tout ce que Caligine est en train de vivre. Mais alors, s'ils n'ont pas d'insectes qui spawnent, c'est vrai que ça peut être très problématique. Et je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'avais pris en compte. Et il y a l'air d'avoir plus rien. Pourquoi il y a loup? Bah, je pense que loup est juste en train de suivre pour voir ce qui se passe. Elle a totalement le droit. Il y a zéro insecte. C'est dur. Alors, ce serait bien que loup arrive à trouver des insectes de son côté, parce que c'est vrai que là, on a un peu de mal, j'ai l'impression. Il y a un insecte là, il y a un insecte ici, il y a un insecte sur l'eau. Il y avait un insecte sur l'eau là-bas. Courage. Il y avait un insecte sur l'eau là-bas. Je vois un patineur. Est-ce qu'elle va réussir à l'attraper? Attention, il est malheureusement au milieu. Ouais. Est-ce qu'on va réussir à attraper ce patineur? C'est capturé, j'ai l'impression. Ok. Un insecte du côté de Lucille. Oh, deux insectes du côté de Lucille. Ok, ça va. Sur la fin, Lucille a quand même réussi à avoir deux insectes. Attention, est-ce qu'il y en aura un autre dans les 18 dernières secondes? Non. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, un insecte pour Caligine, deux insectes pour Lucille. Ce qui leur rajoute toutes les deux 3 points. Ah ouais, coup dur pour le FC Papillon. Là, c'était pas très facile. C'est parti, ça va être au tour de Lou et de Chine. 3 minutes et 3 minutes pour Lou et Chine. Allez, c'est parti. Désolé Chine, je te bloque. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres pop de papillons? Il y a déjà un papillon. Elle l'a pas vu. Elle a raté le papillon. Incroyable. Elle était dans son monde, elle a pas vu le papillon. C'est dommage. Chine n'a pas vu le papillon. Peut-être décider d'aller au plus loin possible pour tenter d'avoir un papillon. Elle rebrousse chemin. Qu'est-ce que ça donne? Là en haut, y a-t-il un petit insecte quelque part? Non. Pas ici. Hop. Il y avait un papillon, hein. Je vais pas leur dire exactement où il était, mais il y en avait un. Tout a été capturé en fait sur le début, et c'est vrai que la première manche a été grave décisive. Après, c'est peut-être pas la meilleure heure pour justement faire le concours d'insectes. C'est vrai que j'ai pas regardé quels insectes popaient à cette heure-là. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors, est-ce qu'on a des petits papillons qui ont popé par ici? Non. C'est vrai que en vrai, il y a très peu de papillons. Ah. Ok. Ça l'a vu? Ok. Allez, parfait. Ça va vraiment être compliqué. Ouais, de ouf. Hein. De ouf. Les dernières manches. Ouais. Ce qu'on fera, c'est que pour les manches suivantes, là, on va rentrer dans un bâtiment et on va tous ressortir. Oh, j'ai vu un autre papillon. Ok. Il y en a quand même. Vous pouvez courir dans les fleurs, il n'y a aucun souci. C'est juste que, bah, du coup... Ah. Attention, un autre papillon par ici. Allez, est-ce qu'on réussit à l'attraper? Oui, c'est parfait.
Un macaron par ici. Je vais la laisser passer devant. Hop. Allez, c'est parti, vas-y. Vas-y. Hop. Finalement, ça aurait peut-être été mieux quand il pleuvait, quand il y avait les escargots. Quand on y pense. Quand on y pense. Attention, qu'est-ce que ça donne? 3 et 3. Eh, hey, pas mal. Pas mal quand même, 3 et 3. Hein. 3 et 3, ce qui fait 6. Ce qui fait que du coup, Lou passe à 11. Et Shin passe à 11 également. Alors, ce qu'on va faire, les filles, c'est qu'on va toutes et tous, rentrer dans la mairie. Parce que je me dis que le fait de rentrer à l'intérieur va peut-être faire spawner d'autres insectes. Donc je vous propose qu'on rentre tous dans la mairie. Caligin avec Lou. Et on va partir de dans la mairie en fait. Et vous allez devoir sortir, ok? Let's go, on règle le chrono, on y va. Et c'est parti! Dur, il n'y a pas grand chose qui spawn, j'entends des grillons mais pas moyen de creuser. Ouais, c'est vrai que vous ne pouvez pas prendre les trucs extérieurs. Allez, c'est parti, Caligin et Lou qui s'élance. Alors oui, ça fait perdre 15 petites secondes au début. Mais peut-être que... Je sais pas si ça va faire spawn des choses ou pas. C'est quelque chose que je tente. Caligin et Lou. Hop. Allez, je te laisse passer. Allez, peut-être un petit papillon dans le cimetière, non ? Pas de papillon dans le cimetière. Allez, Caligin, tu peux y arriver. Ah oui, ça y est, il y en a un là. C'est parfait. Un petit papillon. C'est pas mal. Allez. Un deuxième du côté de Caligin. C'est parfait. C'est parfait. Deux papillons, c'est pas trop mal. Regarde un peu s'il n'y a pas... S'il n'y a pas des trucs par ici. On va laisser passer Caligin. Je sais pas où elle va passer. Elle passe là. Elle va dans les fleurs. Qu'est-ce qu'elle cherche? Je ne sais pas. Ok, elle s'est TP. Oula. Oula. Alors, excusez-moi, mais on est d'accord. Il y a un insecte là. Il y a un insecte juste ici. Je vais pas sauter parce que j'ai pas envie de le faire des pop. Parce que je crois que si tu sautes, tu le fais des pop. Hop. Allez, est-ce que ça trouve d'autres insectes? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont popé? Attention, on suit Lou qui est juste là. Allez Lou, tu peux peut-être y arriver. Caligin qui a sauté, je sais pas si elle a capturé l'insecte avant. J'espère qu'elle l'a capturé parce que sinon, ça va être vraiment compliqué. Ok. Est-ce qu'on a un autre insecte pour les 16 dernières secondes? Ah, moi j'en ai vu un. Moi j'en ai vu un au loin. Mais visiblement, elle n'est pas partie du bon côté. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ça l'a pas compté, je crois. Je crois que ça ne l'a pas compté. Ça ne l'a pas compté. Alors, j'ai pas regardé combien on avait. 3 et 2, donc ça fait 5. 5 pour Caligin, donc ça l'amène à 11. Et 5 pour Lou, ce qui l'amène à 16. Parfait. Donc du coup, c'est Lucille et Shin. Allez, c'est parti, régler le chrono. 3 minutes. Allez-y. Go, go, go. C'est parti. Ça sort dehors. On y va. Trop cool, tes streams continuent comme ça. Merci à toi, Mimita. Merci beaucoup. Allez, Lucille et Shin pour ce concours d'insectes.
C'est parti très très vite, hein. C'est parti très très vite vers le fond de l'île. C'est vrai que tout à l'heure il y avait un papillon par ici. Mais le fait d'être rentré dans la mairie l'a peut-être enlevé. Je vais explorer un petit peu l'île. Peut-être qu'on va les croiser, mais on va explorer pour voir un petit peu où est-ce qu'il y a potentiellement des petits papillons. Par là, en tout cas, j'en vois pas. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Allez, on suit actuellement Lucille. Lucille qui est du coup à la recherche d'insectes. Va-t-elle trouver les insectes tant convoités? J'ai l'impression qu'il y en a aucun. On va voir, on va découvrir ça assez vite. Hop. Parfait. Ah, j'ai entendu un insecte qui a été capturé. J'ai entendu un insecte. Est-ce qu'on n'a pas des Ligi par là-bas? Eh non, malheureusement, il n'y a même pas de Ligi. Ça, c'est dommage. C'est dommage aussi, je crois, 19h, on aurait commencé à avoir des Bernard l'Ermite. Et là, on n'a pas encore de Bernard l'Ermite, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que là, au niveau des insectes, c'est vrai que c'est un peu problématique. Ouais, pas d'insectes pour Lucille, qui cherche hein, pourtant. Peut-être dans l'eau, faut penser à regarder dans l'eau. Hop. J'aurais peut-être dû aussi mettre des godasses ou des choses dans le genre par terre, des vieux ou des navets pourris, des choses dans le genre qui auraient peut-être aidé à faire popper des insectes. Mais là, c'est vrai que j'ai l'impression que Lucille n'en a eu aucun. Et c'est complexe. J'avoue que c'est complexe. 5, 4, 3, 2... 1 et c'est fini. 1. Oh, Chine en a eu 5 quand même. Ah ouais. Ah, propre. Ah, ça change tout. Ça change tout. Chine en a eu 5. Lucille en a eu 1. Ce qui fait que ça amène Chine à 16. Et Lucille. Attends, non. Qu'est-ce qu'on... On était à quoi? Non, 5 et 1, ça fait 6, donc ça fait 17. 17 et 18 pour Lucille. Go! Oui! Allez, ben c'est parti! Et c'est parti! 3 minutes pour capturer le plus d'insectes. Attention, c'est une manche décisive. Il y a la qualification en finale qui est en jeu. Si elles arrivent à s'éloigner suffisamment de Chine, elles peuvent toutes les deux... Toutes les deux partir en finale. Ça commence par un macaron là du côté de Lucille. Elle a du mal à le capturer, mais on peut y arriver. C'est bon. Lucille a réussi à capturer son macaron. Ça continue. Ok, ça passe par la droite. Par ici, il y a rarement des insectes hein, côté tapis rouge. C'est trop meublé pour avoir des insectes. Par contre, ça peut peut-être être une bonne chose d'aller dans ces fleurs par ici. Je ne sais pas. Il n'y a pas grand-chose, hein, en effet. Il n'y a pas grand-chose qui pop par là. Là, sur l'eau, on n'a pas grand-chose non plus. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a capturé quelque chose. Ah! Moi, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un insecte. Je n'en dirai pas plus. Ok. Hello! Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des papillons potentiellement qui pop là derrière?
Par ici, ça m'étonnerait qu'on puisse avoir des choses. À moins peut-être des ligis. Non, même pas des ligis. Ah, j'ai l'impression que ça essaie d'attraper quelque chose. Non. Ok. Allez, il reste une minute. Une minute au chrono pour Lucille et Lou. On les a pas vus capturer beaucoup d'insectes, mais on les a pas non plus vus beaucoup. Donc ça veut peut-être dire que elles ont capturé des choses en dehors de l'écran. Et ce serait intéressant pour elles. Allez, peut-être. Les petits insectes par là. Les ligis. Non, pas de ligis. Allez, c'est parti, il reste 30 secondes. Allez, Lucille, on y croit. On y croit. Peut-être un dernier petit insecte. Pour essayer de prendre l'avantage le plus possible. C'est vrai que c'est pas simple. Oh, ça a trouvé un capricorne des agrumes. Ça, c'est très très cool. Le pop un petit peu inespéré hein, dans les 15 dernières secondes. Là, ça me paraît compliqué. Hein. Il reste 3 secondes de 1. Et combien ça donne ? 3 et 5. Wow, 3 et 5, ça fait 8. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On arrive sur 26 du côté de Lucille. Et on arrive sur 24 du côté de Lou. Va falloir beaucoup performer du côté de Caligin et de Shin si on veut, si elles veulent aller en finale. Ready pour Caligin et Shin? C'est parti, go! Go, 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 on y va! C'est parti! Alors là, si on réfléchit bien, il faut que Shin marque au moins 8 points pour s'assurer une qualification. Et là, j'ai l'impression que... Excusez-moi! Mais j'ai l'impression qu'il y a énormément d'insectes. J'ai l'impression qu'elles viennent d'en capturer 4 là sur le début. J'ai même envie de dire, si ça se profile bien, c'est pas impossible pour Caligin d'être qualifié. Parce que là, j'ai l'impression qu'elles en ont eu 4 sur les premières secondes. Il y a eu quelques pops incroyables devant la mairie. Tout est possible, même pour Caligin. Rien n'est joué. Alors ça va se jouer beaucoup à la chance, au hasard. Et pas trop au skill. Ah là, il va falloir réussir à le capturer, ce papillon. Ouais, c'est bon. C'est bon du côté de Shin. Ça se joue beaucoup à la chance. Je pleure, nous dit Lou. Lou qui a peur un petit peu pour sa place. On va voir. On va voir. J'allais dire c'est peut-être parce que c'est une nouvelle heure, mais c'est même pas une nouvelle heure, donc il n'y a même pas ce facteur-là qui fait qu'il y a plus de choses qui pop ou non. Non, là, c'est vraiment... Oh là 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 là! Mais ça performe de ouf! Si à L2, elles arrivent à faire 14 insectes, disons-le, 14 insectes, c'est Caligin et Shin qui seraient qualifiés. Ce serait Caligin et Shin qui seraient qualifiés. Si elles arrivaient à capturer 14 insectes au total. Ça voudrait dire 7 par personne. Je sais pas à combien elles en sont. Mais ça a l'air d'augmenter très vite. Ouh là là, le suspense est vraiment à son comble là. Sur ces dernières 44 secondes. Oh là 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 là, ça trouve encore un... Encore un insecte. Du côté de Shin, pour moi, on les a les 7. Est-ce que du côté de Caligin, on les a, les 7? C'est la vraie question. Est-ce que du côté de Caligin, on a les 7 insectes? Je vous avoue que là, on est en stress. On va découvrir ensemble le nombre d'insectes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, et on est à 5, et Caligin, je vois pas combien d'a Caligin.
5 et 5. Ah là 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 là, 5 et 5, ça fait 10. Du coup, ça passe à 21 et ça passe à 27 de ce côté-là. Ah là, c'était très serré. C'était très serré, mais en tout cas, Chine, c'est la qualification pour la finale en face de Lucille. Parfait. Donc ça va être Chine contre Lucille. La partie va se jouer en une seule manche. 5 minutes. Lucille et Chine. Oh là là là, ça va être incroyable, ça va être incroyable. C'est les 5 minutes de votre vie. Let's go. Let's go, elles ont 5 minutes pour capturer le plus d'insectes sur toute la map. On espère que ça a repopé. On n'en sait rien. Mais en tout cas, on espère. En tout cas, le chargement est un peu long. Alors, qu'est-ce que ça donne? Chine contre Lucille. Lucille contre Chine. Maintenant, elles ont l'habitude de la map. Elles savent à quel endroit elles peuvent trouver des insectes. Et c'est donc un premier insecte pour Lucille. Qui du coup a trouvé une sauterelle. Ça, c'est pas mal. Sauterelle, c'est pas mal. Ça pop au sol. C'est assez simple à capturer en soi. C'est plutôt pas mal. Ça n'a pas fait perdre trop de temps. Après, l'idée, c'est maintenant de trouver d'autres insectes. Hein. Attention. Hein. Pour le moment, on suit Lucille. Mais on ne sait pas quel est le parcours de Chine. Si on croise Chine, eh bien, on ira voir Chine pour voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, là, au niveau de Lucille, sur la première minute de jeu, on a un seul insecte. C'est pas ouf. Alors, ouais, si je dis pas de bêtises, il y avait bien un papillon par là-bas. J'ai bien pas dit de bêtises. Et là, donc, on a Chine, hein, juste ici. C'est ça? C'est Chine? C'est Chine, qui est juste là. Où est-elle? Chine, Chine, Chine. On a perdu Chine. Ah non, Chine qui nous fait un petit saut par ici. On va voir, on va essayer de la suivre. Allez, 5 minutes, c'est long. Hein. 5 minutes, c'est long. Est-ce qu'elles vont avoir l'occasion de capturer plus d'insectes ou pas? Ça, c'est la question. La question importante. Il n'y a pas de poisson dans l'eau. Enfin, il n'y a pas de petits insectes dans l'eau. Il n'y a pas grand-chose. Ah, c'est pas facile. Faut quand même garder l'œil ouvert parce que le moindre petit insecte peut être décisif. Dans cette manche finale, il reste 3 minutes. Hein. Donc le temps auquel ils sont habitués, elles sont habituées d'habitude. Il va falloir performer là sur ces 2 minutes 30 qui restent. Moi, je ne bouge pas. Moi, je ne bouge pas. Moi, je ne bouge pas. C'est dommage, personne ne vient. Alors qu'il y a une sauterelle, quoi. Alors qu'il y a une sauterelle. C'est dommage. Ah, ça arrive. Ça arrive par là. Oui, ça a capturé la sauterelle. Parfait, c'est Lucille qui l'a capturé. Et je vois au loin un papillon, l'a-t-elle vu? Elle l'a vu. Voilà, ce bel enchaînement-là peut lui rapporter la victoire, en vrai. Ce bel enchaînement est pas mal. Allez, c'est parti, je te laisse passer. Vas-y, est-ce que tu vas trouver d'autres petits insectes? Oui, ça trouve une sauterelle par ici. Oh là 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 là, ça va être pas mal. Et il y a un papillon dans le cimetière, l'a-t-elle vu? Elle l'a vu. Elle l'a vu. Elle enchaîne avec un papillon du cimetière. Oh là là, c'est incroyable. Il n'y en a pas un deuxième? Non, j'ai cru qu'il y en avait un deuxième. Mais non, il n'y en a pas un deuxième. Lucille qui est bien partie. On ne sait pas. On ne sait pas où en est Chine. Chine est peut-être à 12 000 insectes. On ne sait pas. En tout cas, il reste une minute. Et ça a trouvé un autre. Oui, un autre insecte par ici. Un autre papillon. Allez, allez, allez. Ça va, ça va. Il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même un certain nombre.
Allez, est-ce qu'on va réussir à retrouver un dernier papillon peut-être pour Lucille? C'est assez, assez frustrant de ne pas connaître le score de l'autre personne. Parce que ben on sait pas où on se place en fait dans le classement. Est-ce que elle est loin devant? Est-ce qu'elle est loin derrière? Est-ce qu'il lui manque juste un insecte pour réussir? Ça c'est la grande question. En tout cas, il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Oh! Oh! Ah ouais, bah là, ok, c'est une victoire. C'est une victoire incroyable de Lucille qui, en plus, capture un dernier. Waouh, 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 waouh! Ah ouais, Lucille, là, vraiment... qui nous impressionne. Et là, on a beau dire, est-ce que c'est la chance ou est-ce que c'est pas la chance? Pour moi, non, il n'y a pas d'histoire de chance parce qu'elles ont compétité en même temps sur la même map. C'est juste qu'elles étaient au bon endroit. Elles ont été au bon endroit à chaque fois. Incroyable. Je vous propose, les filles, qu'on se retrouve eh bien, sur la place. Du coup, je vais appeler Shin. Shin, je t'appelle. Et donc, tu repars, toi, avec deux sacs de 99 000 clochettes. Bravo à toi. Bravo à toi. Et merci encore une fois pour les 20 subs. Et on va appeler Lucille. On va appeler Lucille. C'est parti. Lucille, grande gagnante. Mais Lucille qui nous avait déjà fait quelque chose d'incroyable sur la première manche. Hein. Vous vous souvenez de la première manche de Lucille, elle était genre juste incroyable. Sa première manche était incroyablement propre. Donc c'était génial. Merci à vous les filles en tout cas d'être passées. C'était vraiment très très cool. J'ai eu un peu peur à un moment quand les insectes ne popaient plus, mais finalement ça a été.